Alors là, c'est mathématiques. On continue avec money. Okay? Money, et là, on va prendre wages, ça fait partie de money. Et wages veut dire salary, salaire, que je vais gagner. La paye, veut dire paye. Et le verbe, c'est earn, quand on gagne cash, combien nous gagnons pour notre travail. Quand on travaille, ça paye nous, on appelle ça our pay, our salary, wages. Okay? Le verbe, c'est to earn. To earn money veut dire comment nous gagnons la vie, comment nous gagnons cash quand on travaille. Alors, nous prenons un exemple tout de suite dans le problème. David is paid, maintenant paye, mais c'est ce patron paye. David is paid, David est travailleur, David. Maintenant paye 425 roupies pour aider his work. Donc ça, c'est la première phrase bien simple. Il gagne 425 roupies un jour. He works 5 days per week. Donc, il va travailler 7 jours, il travaille 5 jours par semaine. Veut dire, si nous pouvons par semaine, pour 1 week, nous avons 5 jours, 425. Et how much does he earn in 8 weeks? Alors, après le trois proportion, nous avons connu combien de cash il recevra, il gagne la paie dans 8 semaines. Nous avons une semaine avant. Okay? Nous avons 1 week. De rien, pas bon pour n'importe combien de week il doit nous, mais nous avons 8 à faire. Donc, nous avons 1 week avant. Donc, nous avons dit par jour pour aider les autres, 1 day. Pour 1 day, 425. Donc, 1 day, 425. Et par semaine, il travaille 5 jours. 425 par 5. Vous copiez ça, vous travaillez ensemble, vérifiez, faites par vous-même, et puis vérifiez la réponse. Et il était passé 10, 12. Voilà. Donc il fait 5 par 4, 20, 2125. Donc il y a 2125 roupies. C'est quoi ça? Dans 5 days. Veut dire par semaine. Donc, 1 week, 5 jours, il y a 2125 roupies. Maintenant, 8 weeks. Ça fait 5. Okay. 2125 fois 5. 8, 8 weeks, 8. Donc, 40, 16, 16 plus 4, 20. 1 par 8, 8, plus 2, 10. 2 par 8, 16, plus 1, ça fait 17 000. Okay. 17 000 roupies gagnées dans 8 semaines. Good. Donc, maintenant, nous avons déjà. Steve receive toujours salary. Steve receives, disparaît, il gagne, il earn, il recevra 75 roupies par early, for an hour, for 1 hour. Ok, donc on met là, 1 hour, 75 roupies. Sa première information est gagnée. He works for 7 hours on Saturday. Ok, samedi, il travaille 7 heures de temps. And 4 hours on Sunday. How much does he earn in all? En tout, combien hours il travaille? En tout, ça fait les 7 heures et le passé 10, 4, 5, 11. Donc, 11 hours, c'est en tout. Donc, comment on calcule ça? Combien de cas c'est? 1 hour, 75, 11 hours. 75 times 11. Ok? Ça va calculer un peu, je vais casser. Je fais 75 par 1 avant, donc on calcule ça sur nos vies. 75 par 1, 75. 5 par 25, 7 par 1, 75. Et ça nous finissait mieux pour pile mais 0, pour parler de 0 là. Et puis 75 par 1, nous en faisons, c'est 75, 5 par 25, etc. Et puis plus. Ok, c'est complété à la maison. Dans le cadre.